Est-ce que toujours gagne même motivation te gagne dans commencement année 2023? Jeudi a c'est exactement 1er mai 2023. Si c'est jeudi a même on regarder vidéo ça, mais si c'est pas jeudi a quand même c'est dans mois de mai on regarder vidéo ça. Gen deux bagages que tu tout à fait pendant toute année 2023 ça. L'autre fait entrer dans l'année en janvier. Est-ce que toujours gagne même principe ça? Est-ce que on fait? Est-ce toujours motivé pour année? Une raison qui fait que nous toujours année à passer sans que nous pas régler rien, c'est parce que il y a des bagages que nous te dit d'avoir le fait dans commencement année et puis nous pas qu'embé ça que nous te dit d'avoir le fait. Et puis année a fini, boum, on va régler rien pour année. Et bien, dans cette vidéo ça, moi je ne dis pas de courage. C'est vrai que janvier, février, mars, avril qui est passé ou dans mois de mai, il était pratiquement 7 mois. Dans 7 mois ça juste pour ça on prend temps. Pour avouer que ça a été tout à fait, j'ai été motivé pour commencer ma année 2023 ça. Pour réaliser un bagage quand même. Seulement, vous pouvez focus. Juste pour penser, j'ai été motivé les années 2022 à définir et que tu as monté 2023. Comme nous l'avons quitté dans l'année 2023 ça, nous avons quitté Brooklyn. Mais nous n'en mettons là pour toujours Brooklyn. Comme nous avons quitté dit que l'année ça, on va parler en langue étrangère. Soit anglais, espagnol, baronnet, yon langue quelconque. Mais nous n'avons pas de mais là. Est-ce que vous commencez à apprendre ça? Dans quel niveau? Comme il y a nous tous qui avons un projet business pour créer un petit business, est-ce que vous commencez? Etc. etc. Parce que nous, chaque qui a un bagage que nous avons fait pendant l'année, c'est un challenge que l'on a. Mais malgré tout, c'est vrai que nous avons 4 mois qui passent, nous n'avons pas de mais. Pas découragé, nous avons un peu de bagage capable de faire. Nous avons un petit reste pour l'année à finir.